Les gars, le pays actuellement est en train de prendre une tournure où moi-même, je n'ai que les yeux comme ça pour regarder. Maintenant, faire même un commentaire sur une actualité. Il faut réfléchir, il faut tourner le cerveau. Parce que le pays est en train d'aller comme ça. Comme vous connaissez les testicules du cheval, non? Top, pop, pop, pop. Ça va à droite, ça va à gauche, ça part au nord, au sud. C'est grave. Est-ce que vous avez vécu ce qui s'est passé à la Fekafoot tout à l'heure? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé entre Samuel Eto'o et Marc Brice à la Fekafoot? Comment on appelle ça? Ce qu'on est en train de vivre actuellement, si, comment on appelle ça? C'est-à-dire que faire même un commentaire maintenant, là, c'est compliqué. Parce que tu peux dire un truc là, ça te coince des années plus tard comme Van Estey. Van Estey aujourd'hui, qui ne se rappelait même plus de sa chanson qu'il avait chantée pour Richard Bona. Quand le gars annonce que papa, pardon, je veux te rencontrer. Pardon, même une seule photo avec toi, ça me suffit. C'est où Richard Bona lui rappelle qu'en 2021, mon petit, tu te rappelles de ce que tu avais chanté, me concernant. Le gars lui-même, Wanda Kemens. Je suis sûr qu'il ne se rappelait même plus. C'est quand Richard Bona a dit ça que le gars lui-même allait fouiller les archives. Et Wanda Kemens, le type l'avait interprété ma chanson plutôt comment? Oui! Avant de mettre un commentaire, maintenant on peut réfléchir. Moi voici maintenant là, je suis moi-même, je lis mon heure. Voilà l'histoire de Pifo avec Cindy B. Je suis venu ici parler que, oh non, la petite fille là, est-ce que vous avez même su? Après, j'ai encore suivi tellement de choses, c'est que, est-ce que j'étais obligé de faire même nos commentaires dessus? Est-ce que j'étais même obligé de parler? Si la petite fille là a suivi ma vidéo, c'est qu'actuellement, si elle me regarde seulement comme ça là, que le tonton là, il est dangereux d'être. Au lieu de me soutenir, au lieu de m'aider, il me jette plutôt à la verdie populaire. Que, oh, alors qu'il y avait encore les choses qui venaient derrière. Que les gars faisaient leur rallye, Moi, j'ai encore suivi les choses, c'est-à-dire que, j'ai même voulu supprimer encore la vidéo FM, mais c'était à tard. C'est pour ça que les événements passent maintenant. Moi, je réfléchis d'abord. Je regarde seulement comme ça, je dis que, parce que tu peux faire un commentaire là maintenant. Ça pète sur toi après, mon frère. Tout le monde m'a dit que, mon frère, tu comprends le sens de ce que tu parles là. Parce que tu fais le commentaire et les choses te suivent encore après. Oui, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul vraiment, bien comprendre toutes les étapes avant de poser vraiment la voix. Même ce qui se passe à la Fekafoot là maintenant là, nous on regarde seulement parce que entre le ministère des Sports et la Fekafoot là, c'est seulement les deux là qui savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire. L'autre dit, je suis le représentant du ministre. Et c'est le président qui a nommé l'équipe, Marc Brice et son staff. Le président Samuel Eto'o dit que c'est moi qui décide. Je suis le président. Quand je viens dans ton ministère, je ne balade pas. Je ne gronde pas ici. J'ai le pouvoir. Tu es chez moi. Mets-toi dehors. Mais le continent. Je ne sais pas s'il y a deux pays au monde comme le Cameroun. Le pays sinon, l'actualité. Le buzz, Samuel Eto'o aussi à son tour. Qu'un petit pays, c'est un menteur. Ne suivez pas ce que le type la raconte. Mince, parle comme ça à son père. On va comprendre qui? On va comprendre qui? Que le type là, il raconte du n'importe quoi. Il a ceci, il a. On raconte encore les choses là. Tu regardes le petit pays, tu dis que c'est toujours petit pays qu'on connaît là. Ou bien c'est un autre petit pays. C'est-à-dire qu'à la Lucie, papa, c'est mieux seulement d'observer les événements au Cameroun. Oui, telle chose passe, tu applaudis aussi seulement, tu attends. Telle chose passe. Hein? Même le petit Tingdengue. Tu suis encore le dossier sur le petit Tingdengue. C'est-à-dire que, mon bon petit. Ha! Non. Papa, maintenant, non, faites vos choses, moi, et vous regarde. Avant de faire le commentaire, maintenant, moi, je vais bien réfléchir. Pour ça, parce que à la lue où les choses font ce monde-là. Actualité sur actualité. Baisse sur baisse. Hein? On n'a pas fini avec Fingon. Donc on est venu étouffer l'affaire Fingon et Kalagan comme ça. On n'entend plus parler.
Pour pouvoir Charlotte Dipanda qui a même perdu le point que vous Fernand Lopez, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi à Langa de Truy? Tu as fait quoi à notre soeur? Ça prenait le dire, voici la Fekafou qui est venue éteindre tous les trucs là. Même Vanessa qui chauffait un peu ce matin, la Fekafou est venue dans éteindre. C'est maintenant la Fekafou qu'on est en train de regarder, on est en train de suivre maintenant. C'est le nouveau buzz de l'heure maintenant. Facebook va brûler maintenant le tout aussi. Fekafou, Sameto, Marc Brice. Hey! Hey! On va dormir un jour dans ce pays. On va dormir. En tout cas, abonnez-vous, les gars. Si vous voulez être en actualité de tout ce qui se passe au 237, abonnez-vous seulement. Partagez la vidéo pour m'encourager. Je vous aime. Bisous. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28.